Au cœur du mien. Au cœur du mien. On a combien de titres? Il y a 13 titres. Hein. Elle est belle. Elle est belle. K the Prodigy, K Interlude, Yasirsky. T'as capté? Ok. R&B plutôt, ça c'était out. Hypnotize aussi. Hypnotize c'était out. Ok, elle est belle. Moi, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Un petit coup de goyave et... Un petit coup de goyave. Et on est parti dans ce skip. Et je vais en profiter justement pour rappeler à tout le monde comment ça se passe. Comment ça se passe, le skip. Alors. Est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le skip? Pour les nouveaux qui nous rejoignent, le skip, c'est simple. C'est juste, on se fait une petite session d'écoute du projet. Et en gros, soit en fait, les sons, on les garde parce que dans le sens où c'est des sons, on sait qu'on va les réécouter. C'est des sons qui nous ont tout de suite touchés. Ou c'est des sons, on sait que avec 2-3 écoutes en plus, ça peut le faire. Ils sont dedans. Ils sont dedans, en fait. On va les garder. Comme il y a d'autres sons, en fait, qu'on va peut-être un peu moins garder, tout simplement parce qu'on les file moins. Et c'est pas... comment dire? C'est pas quelque chose qui remet en cause la qualité du son ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un avis personnel. Et c'est surtout une première écoute. C'est vrai. Ça. C'est une première écoute en accéléré. C'est ça. Comme tout le monde, des fois, il y a des sons, t'entends dès le début de la prod, dès le truc, tu sais que « Ah, ce son-là, tu vas le kiffer de ouf !» Des fois, il y a des sons, tu te dis « Ah, ça, je sens que ça va être un peu plus technique. » Donc voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas attraper mon col. Il ne faut pas attraper le col de Jeff. Il ne faut attraper le col de personne. C'est juste de la musique. Il n'y a pas d'objectivité dans la musique. D'accord? C'est tout. C'est parti. Au cœur du mien, sur ces belles paroles. Sonny Rave, il y aura très peu de skips. On annonce? Ok. T'annonces combien? Moi, je pense, j'annonce un 8 sur 13. Et c'est 8 sur 13, 8 c'est sur 13, solide. Hein. Et 8 sur 13, c'est solide. C'est archi solide. C'est archi solide. Soyez prêts seulement, soyez ready. On est sur les appuis. Anto BGT, BG. SOLN, BG. Agathe. Allez, c'est parti. Let's go. Il y a du son dans le casque, en fait. C'est bon. Il y a toujours des grands compositeurs. Hein. Non, vraiment. Là, c'est Sectra. Sectra, hein. On est obligé de commencer par le bon. On est obligé de commencer par le bon. J'ai assez fait mes preuves, souvent broken, mais mon cœur était tendre. Comment faire, comment finir, maintenant que je suis dedans. J'en veux encore, mais je vais en finir sans se blesser pour autant. Ce n'est qu'une histoire de love, juste la meilleure version de toi. Ça, je suis obligé de liker, tu vois. Ouais, les amis, 1:07. On n'a même pas besoin de... On sait déjà qu'on est dedans. On sait déjà qu'on est dedans. Ok. Voilà, comme ça vous commencez à capter le thème. Ok, ok. C'est parti. Je te drague sur des airs d'Alia. Il sait ce qu'il fait en fait. Chiche. J'ai dû capter l'effet que t'avais sur moi. Comment tu fais, je supplie. Ok. Je t'imagine dans une robe. Ah ouais, il est reparti. Il est reparti. Il est reparti. C'est un crooner. Passionne-toi en laissant toi se lancer. Fuyez sous ton emprise. Sale. Mon cœur s'emballe quand tes mains se faufilent. C'est limite un de ses meilleurs sons, en tout cas là, pour l'instant. Genre en termes de. En termes de. De feeling. Non. Un homme seul t'a visé pile, pile en moi. Juste une fois, fuck, c'est suffisant. Non. Oh oui, il est vraiment bon. Tu me laisses, non. I don't know, I need some time for myself. I don't know, I need some time for myself. Sale. Damn, mais en fait là, quand tu commences comme ça, là. Ouais, c'est fort. C'est fort. Moi, je suis juste frustré, j'aurais bien voulu qu'il refasse « C'est qu'une histoire de la... » Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on disait, en fait. C'était ça. C'est que là, en vrai, les deux top lines, elles sont incroyables. Parce que la fin aussi, là, t'as visé pile, pile en moins. Ça, c'est incroyable aussi, tu vois. Tu t'accroches aux deux, au final. C'est ça, en fait. Donc non, c'est fort. Très belle intro, très belle intro, très belle intro. J'avoue. I'm not trying to start anything serious right now.
exactement. Oui, en fait. Pastel, il faisait du jerk. Ouais, ça, c'est du jerk carrément. Pastel, il faisait du jerk. Je vous le dis. Ouais, moi, j'étais un jerker, les refs. On a jerker, on a dansé à la ville. Je suis obligé de liker ça. En fait, comme ça, jerker en fait. La vibe, tout c'est. Est-ce qu'il y a la prod de ça? Parce que là, ça bounce bien. Timing, hein. Timing, c'est grave. Tu peux tout liker. Anto, toi aussi, tu fais partie de la team ou pas? T'es dans la Endless Fantasy team ou quoi? En fait, Anto et Keno, faut les brancher en fait. C'est ça en fait, puisque en vrai, pour même c'est ça. Créer c'est une nouvelle team. C'est les militants en fait. La team support en fait. Damn. Tu vois le danse Marbelle comment il revient? Ça, ça me parle. Ça, c'est vraiment un son pour les B-Boys. C'est vraiment un son pour les B-Boys. Ça, tu connais ça, c'est les sons qui sont en soirée. Tout le monde là-bas! T'as capté? Battle en fait. Battle. Ça fait un rond, tout. Oh, ça commence fort en fait. De ouf. Commence en pétard. Tu vois justement ce que je te disais avant sur la réale, les structures des sons. Bah là, sur le coup, sur ce son-là, c'était un tout droit. Genre, c'était parfait. C'est. Des sons comme ça, parfait, parfait, tout droit. Il a vraiment cette The Weeknd shit dans ses places. Vraiment, frère. Tout ça, on sent que c'est une grosse influence. What up, Vanda? Le maire de Lille. Wesh, le V. La gravité est trop forte. C'est un thème, ce son, c'est un thème. T'as capté? Et tu bluffes encore et tu sens ce rôle de ma baby. Peut-être tu sens vraiment ses. Ouais! Il est dans ce deep en fait. En fait, il se dit. En fait, on dirait vraiment un gars qui s'est imprégné de la culture de Toronto, frère. C'est une dinguerie, frère. Non, ça, c'est un son de contexte en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un son de contexte. Ça, les amis, c'est un son de. C'est un son de film. C'est un son de film. Voilà, ouais, useless. Ça va ou quoi? Ouais, bien ouais. Sûr, l'influence du Six, tu le sens. Du Bryson, du. Tout ça un peu là. C'est. Non, c'est hyper mal, c'est froid. Mais tu vois, pour le coup, moi qui suis pas trop. Qui suis dans ce. Mais pas trop dans ce R&B. Ouais, pas le R&B aussi. Ouais, ça, toi, t'as envie de skip, je sais. Ça c'est ouais, un son que je skip, les amis. Je sais que vous êtes dans ça, mais c'est un son que moi, personnellement, je skip parce que je me vois c'est pas. C'est un son de contexte, tu vas pas le jouer toi-même, mais s'il passe dans un set, dans un certain contexte, ça, tu peux. Faudrait que je sois triste, je pense. Ouais, je tu pense vois. Que demain, ça va pas avec la petite, ou il y a un bail ou truc. Ce son-là, je me le prends. Je pense qu'il. Ouais. Il faut que je vive ce genre de truc pour le capter. Parce que sinon, c'est. C'est de la belle musique, mais c'est moins mon thème. C'est moins mon thème. Ouais, c'est personnel, hein. Tu vois? Là, le bounce, c'est tout de suite ma shit. Non, c'est ça. Non. C'est ça. Le petit. Non, ça me fait penser ça, ça me fait penser à Missy et Timbaland. Je te jure. Quand. Young Will, t'es bon. T'es bon déjà. Voilà. T'es bon. Date night top carrière, je pose ça là. Damn. Ok. Top carrière carrément. Quand est-ce que tu seras prêt à t'évoluer pas hier. En fait, tu vois, je trouve que là, il est. Là, c'est vraiment le. Comment dire?
c'est vraiment le bluffeur en fait. Ouais, exactement. Et c'est pas péjoratif ce que je dis. Non, mais tu sais, c'est vraiment le côté R&B ou R&B boy. Full. Là, tu sais que là, il va prendre ton cœur. Si t'es nouveau, là, tu sais déjà que c'est fini, frère. Ça, pour l'instant, je pense qu'il est dans mon top 3 déjà, la Date Night. Ouais. En même temps, t'as avec 3 sons validés pour l'instant. Tu sais, c'est vraiment... Ah ouais, en pastel au Marion. Tu connais, tu viens avec les mots, tu fais la choré. Exactement. Toupine. Exactement. Toupine. Fais tomber un truc, il y a une interaction. Bao. La classique. Carrément, là, je viens de penser à un truc, mais vous avez vu comment Aya, elle s'est branchée avec Corneille. En fait, là, imaginez un Sony Rave avec Tragédie. Est-ce que vous vous rappelez de Tragédie? Damn. Bah, en vrai, je suis sûr que ça pourrait faire un bête de son. Je suis sûr que ça pourrait faire un bête de son. En vrai. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que... Ah là là, c'est sale. Mais je suis un fou. Non, en vrai, je suis sûr que ça pourrait faire un bête de son. Puisqu'ils ont cette R&B shit, les refs. En plus, ils ont les mêmes origines avec l'un des okay. groupes. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, il faut représenter cette île, en fait. C'est une île talentueuse, hein. Tu vois ce que je veux dire? Les Kale Prodigy. T'as capté? Il y a les Sony Rave. T'as capté? Il y a les O'Boy. Il y a les Finch. Finch, en fait. Il y a les La Flame. Il y a les La Flame. Damn. La Flame aussi, c'est là-bas? Je crois, hein. Ah ouais? Je sais pas, hein. C'est pas chez toi, La Flame? Non, je crois pas, hein. Ah, nous tu? Non, la Flame aussi, la Flame aussi. Ah ouais, la bah Flame ouais, aussi, bah c'est ouais, là-bas. Bah ouais. Non, c'est puissant. Ray ah Foden. Ouais, non, mais toi tu veux tuer le ref. Non, on a dit R&B. Attendez, avant spécial, juste pour le kiff. Tragédie et oh non, ça c'est un classique en vrai, on peut rien dire. C'est un classique. Genre. Les refs, ils ont fait leur vie sur ce son. Regarde. C'est vraiment le R&B. On va faire comme ça, regarde. Genre, vous allez me dire que ça aurait pas été trop OP. Vraiment, même carrément sur Danse Mavel, carrément, c'est totalement la shit, hein. En vrai, je suis sûr que ça marche. Bah oui, les refs. Ah, il me tuait dans l'imagerie, hein. Special. Special. Spécial. Il l'a mis en français, donc c'est voulu. C'est bon, c'est envoyé. Si vous recevez des menaces, c'est pas de ma faute. Mais Yangus, en fait, on a ton blaze, on a screené, en fait. T'as vu? Et je peux même remettre le chap que vous trouvez pas beau gosse. voilà. Je rigole. T'es ma fantasy. J'ai du mal à te suivre, oh no. Ah là, il est dans le deep en fait. Il est dans deep. Deep. C'est tout ce qu'il me reste. Ah, vous aimez pas la cover? Oh, vous êtes dur. Oh, vraiment, je la trouve cool. Moi, hein. Je la trouve maligne, la cover, justement. Je la trouve smart. Mm. Petit jeu de miroir, là, il est cool. En fait, ça fait vraiment album R&B, tu vois. C'est ça. Kino, what the fuck, Kino, t'as décidé d'arriver et de parler en fact à chaque fois. En fait, Kino, t'as parlé trois fois. Aujourd'hui, c'est la troisième fois. Troisième intervention. Tout droit, mais doucement en fait. Là, c'est lundi, c'est le premier jour de la semaine. Faut commencer en douceur. Faut commencer en mollo. Toi, tu veux parler qu'en fact comme ça, wesh. Damn. Il a dépassé certains merdes, on dit les termes. Il dit les termes. C'est vrai, damn, c'est vrai. Son. C'est vrai, c'est real deep. Chef shit. C'est deep. La vérité, SOLN, elle a dit. Il low a cap. Dit. Damn. Sur cette tape que sur le dernier album de. De Bryson, en fait. Damn, son. Je l'ai même pas écouté pour te dire. Tu captes? Et là, après... on est en train d'écouter Sony Rave. Bref.
Après, je suis d'accord, dans le sens où moi, à l'heure actuelle, aujourd'hui, bah, la preuve, j'ai d'abord écouté le Sony avant d'écouter le... Le Bryson. Avant d'écouter le Bryson, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, non, même non. Pas, mais bon. Tu connais, il y a un petit Caris qui passe, il y a un petit futur qui passe. Un petit futur petit... fort. Tu vois fort. Non, mais je vous suis. Vous êtes dans ce love making, en fait. Vous êtes dans ce love making. J'ai capté, c'est comment maintenant, ici. Non, vraiment. Non, il est sale celui-là. Je trouve fly en fait ce son. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Tu vois comment là t'es en train de rentrer tout seul à la maison c'est quand ça. Tu l'écoutes? Tout seul. Puis pareil, tu vois, on est dans une structure où vas-y, ça se répète et c'est un tout droit. C'est vraiment des. C'est des textures de son en fait la prod, tu vois ou pas? Ouais, et bien aéré, t'as bien des, espacé. T'as et... des nappes, en même temps t'as des petits ting ting ting. Petits instruments qui viennent un peu de partout là, c'est sérieux. Mais c'est là où je trouve que tu vois, là ça. En fait, ces prods dans la structure, ouais. Tout revient en fait bien. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc t'es déjà guidé en vrai par ça, ça, tu vois. Même quand des fois lui il se permet plus de liberté en termes de structure. En fait, là on est dans une perf qui est beaucoup plus maîtrisée, je dirais. Mm. Qui est beaucoup plus maîtrisée. Il est moins dans l'anglicisme dans celui-là, et ben, et je trouve que c'est une bonne chose en vrai. Ouais. Je trouve que c'est une bonne chose. Même parce s'il parle bien les deux, c'est bien de mettre ça aussi en avant. Et puis même, je pense que genre à l'international, en vrai, je pense que c'est ça que les gens ils vont kiffer, tu vois, ça va être... Le Frenchy. C'est le Frenchy en fait qui chante et qui date ça, tu vois. R&B Pluto Freestyle. Ouais, on a le clip, hein. Il y a eu deux clips qui sont sortis, ça et Hypnotize. Et Hypnotize, hein. Ouais. R&B Pluto. Mais celui-là, j'avais déjà dit à tout le monde. J'étais pas vraiment dedans, dans celui-là. Moi, j'étais moins dedans. Bah, tu vois, justement, les anglicismes, tout ouais, ça, le côté un peu plus... Moi, pour moi, j'ai l'impression pas... qu'il manque un truc dans le... Dans le... Dans le... Tu vois ce que je veux dire? Dans le track, tu vois. Soit une envolée, soit un truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Un truc qui le rendrait moins homogène, entre guillemets. Moins comme ça, quoi, en fait. Moins tout le long, tu vois. Les rêves sont bonnes, ceci. Mais les rêves sont bonnes. Parce qu'on est dans ce Larry June shit. Je crois que j'ai un problème avec ces visuels. Qu'est-ce que t'aimes pas, toi, dans ces visuels, John? Moi, je trouve que ça fait très lifestyle, ces visuels. En général, j'aime bien, sauf Hypnotize, du coup, qui était. Moi, pour moi, Hypnotize, c'était ça, justement, l'image que j'avais kiffé. Ouais. Arty décalé, un exactement. Peu. Ouais, je vois ce que exactement. Tu veux dire. Ouais. Moi, c'est, en tout cas, c'est dans ces ambiances-là que je kiffe le plus. Un son de Larry June, get the move. Bah ouais. C'est sérieux, bon. C'est trop cheap, mais ça va pas avec la qualité de son. Je vois ce que tu veux dire. Bah après, c'est ce côté, tu vois, par exemple, un mec comme, Brent Fayez, tu vois, il peut autant avoir des clips très quali, comme des clips aussi un peu plus lifestyle, un peu c'est plus un peu cette DA, hein. Freestyle, là, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu cette DA, en vrai. La DA Brent et tout, hein. Et je trouve que c'est bien qu'ils puissent alterner un petit peu entre mais c'est les cool. Deux en vrai. Et puis même je pense que ça tu connais, c'est le... Je pense que tout R&B star a aussi envie un peu de ce flex de rappeur en fait. You see what I'm saying? Il y a un peu besoin de... Voilà, on a un peu besoin de kicker de temps en temps. Cette double image un peu. Et je pense qu'il lui fallait aussi ça sur son projet. Moi je suis un peu moins dedans. Parce que voilà, nous on aime quand les gens ils vont au bout de leur dé. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait sens en vrai de vrai être dans son délire. Moi, je peux le capter, mais ouais. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça aussi. C'est freestyle, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Voilà. Bah ouais, on est corda. C'est une autre DA, effectivement. On est corda. J'aime bien. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là à attraper notre col. Ah, vous êtes méchants. Ah, vous voyez? C'est vrai qu'on s'est fait tuer un petit peu la semaine dernière. Même quand on n'est pas d'accord, on est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la semaine dernière, là, quand je vous disais, des fois, ça manque un peu d'âme. Là, regardez, vous sentez l'âme. La lame, on la sent, frère. On la sent. Enfin, bref. On va pas retirer sur le bro. Ouais, mais toi, t'es dur. Mais vas-y, tranquille. On a fait Green Montana la semaine dernière. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup kiffé. Ouf. Okay, Anna Madison. Ah, mais c'est pas. Elle était pas sur la ligne bleue. Elle était aussi, ouais, dans le groupe Haute avec Blasé. Mm-hmm. C'est ça même. Ouh.
je suis obligé de liker quand ça, même. Ça, tu vois, déjà. C'est toi, t'as attrapé le code de lui. Ouais, c'est, ouais, c'est lui. Non, c'est lui. Non, c'est lui. C'est que du love, au contraire. Mais au final, il a, au final, je crois que c'était quand même un 13 sur 18. Bah oui, frère. Donc bon. C'est moche. Dans le bon sens du terme. C'est moche dans le bon sens du terme. Même moi je pensais à Muse carrément, le groupe de rock, tu vois. Okay. D'un côté où même la prod elle est un peu saturée façon, ouais. Distordue comme ça là. Je reprends un verre de gin. D'écrire des poèmes. Ça, je pense que c'est top 3. Hein. Si. Oh. Hey. Si. Ça, c'est un Amadou Sam. C'est de la musique d'orfèvre, ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Faut vraiment de l'écoute petit à petit pour que la voix me regifle encore. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ça peut demander plusieurs écoutes. Mais c'est sûr que tu vas finir pas être conquis. Ah, il a switch. Il a switch en English. Ah, ouais, mais tu vois, tu sens la vibe quand c'est comme ça. Ça, normalement, si je suis un DJ, tu sais, je mixe ça avec quoi? Après ça, j'envoie le Tyler NBA Youngboy. Damn. Tout droit. Tout droit. Impala shit. Exactement. Ouais. Ça. Ouh. Ok. Ça. Waouh. Ça, c'était sérieux. Ça, je l'ai écouté, j'avoue, puisque tu connais, c'est Kay. Ça, c'est Kay. Je pouvais pas. Ça, c'est Kay. C'est le son, obligé. Qu'est-ce qu'elle nous a spit, la sœur? En fait, moi, juste, je sais que c'est chaud, carrément, je vais aller boire, je vais te laisser. Qu'est-ce que la sœur nous a spit, en fait? Bon, toi, tu veux me faire... Chiche. Toi, tu veux me faire croire qu'elles seront mieux toutes avec toi. Hey. Et tu m'attrapes avec quoi? Pourtant, je te rends imbécile. Selon lui, je ne veux pas de relation saine. Je sais qu'il se donne tant de mal. Juste pour qu'elle soit comme moi, tant de mal. Comment qu'elle a cette sauce en fait? Elle grandit. Pour moi. Voilà. C'est juste qu'elle avait jamais pu montrer cette facette. Mais là, bref. Non. En fait, c'est la bascule, elle te fait passer vers la deuxième partie du projet, on fait tout seul. Ouais, Dion, je suis d'accord avec toi, mon ref. C'est ma take du jour. Là, non, je suis obligé de liker. Comme ça, non, c'est trop. Ouais, mais je pense qu'elle avait aussi envie, elle a aussi envie de rapper en fait, Kay. Donc faut pas la. Faut la laisser. Tu connais. Les rappeurs, ils aiment bien chanter comme les chanteurs, ils aiment bien rapper en fait. C'est tout le monde va. Tout le monde switch en fait. C'est tout. Et au moins ça surprend quand t'as fait un truc comme ça, tu vois. De ouf. Mais ça, c'est lourd parce que. Une prod démarrage de PS2. Alors que PS2. Alors que PS. Bref, après, on fera le lien. Si bon, retiens ce que tu viens de dire. Non, vraiment, elle sait faire ça. Hein. Ouais, c'est faire ça. Ah, le son, il est sale. C'est incroyable. Damn, Dion, en fait, il est dans l'imagerie, en fait. De ouf. Je savais pas qu'il était comme ça, ok. Ok, toi c'est médecine ton son.
Celui-là, il est dedans. Celui-là, il est dedans. En tout cas, Kay. Hein. Et tu vois, pour moi, ce son, il a du sens okay. dans le projet. Je sais pas si je l'aurais capté indépendamment du projet. Non, tu impossible. Vois ce que je veux dire? Là, il sert vraiment de point de bascule, je Exactement. Pense. Exactement. Yeah. Mmh. Yeah. Yeah. Ok. Hmm. Ok, c'est bon. C'est bon. T'es ouais. dedans? Ouais, c'est bon. C'est bon. Moi, je suis dedans. Je suis dedans, il y a mon petit refrain qui revient tout. Je crois que je suis dedans. Je crois que je suis dedans. Mais je suis peut-être un peu moins dedans que les autres. Mais je reste quand même dedans. Non. Moi je le mets en Je le garde pas pour l'instant. Ah ouais, t'es dur. Je le garde peut-être pas pour l'instant. Mais ok, ok, c'est tes goûts, frère. Ce sera pas. Sûrement peut-être après. C'est plus la prod qui m'a eu en fait dans le dé. Ah ouais, le petit refrain. Le refrain cool. Mais par rapport au reste, man, ouais, moi, j'ai capté là-haut, frère, okay, okay, tu vois ce que je veux mais dire. Mais en fait, c'est ça que je disais, c'est que le projet commence tellement fort c'est qu'après, ça. C'est difficile. New name, human paper. Attention, baby. On sait que souvent le dimanche. On sait après le gym. Même avant, il a dit. Ah ouais. Vous êtes dans ça, vous, en fait. En fait. On sait que souvent le dimanche. On sait que c'est après le gym. Même avant. Même avant. Même avant. Non, c'est bon. Même avant. C'est dedans. C'est dedans. Non, t'as capté. Juste pour le. Même avant. Comment il a glissé ça là en louba? Même avant. C'est juste pour que tu saches. C'est en fait. Juste pour ça, en fait. Juste pour que tu saches. Scorpio, Virgo, tu pars sur un avenir plein de bonnes choses, on sait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai l'impression que je vis plus de choses avec ce son-là. Ouais, je capte ce que je veux dire. Même bien avant. Doucement, les amis, c'est lundi. C'est lundi. Damn, en fait, là, aujourd'hui, ça veut que. C'est lundi. C'est parce qu'on a mis le rouge. Hein? Je pense qu'on a mis le rouge, en fait. Là. Ça, on est dans cette sexy musique. Damn. C'est à partir de ce moment de l'album que je me suis dit si ça craquerait plus. Si je continue de l'écouter la semaine pro. Je sais pas, mais c'est toujours bien de réécouter les albums dans tous les cas, mon ref. Donc il faut l'écouter la semaine pro, la semaine d'après, la semaine okay. d'après, après. Après. Toi, tu veux le couper en deux, en fait. Tu veux couper l'album en deux. Ça se fait, hein. Qui écrit les textes, là, moderne. Gros, on est dans ce R&B, les amis, on est dans ce rhythm and blues. Faut donner ce love, faut donner, tu vois. Je sens que t'es prête. Yeah. Hey. Yeah. Oh, babe. Mais après, c'est vrai que c'est des sons qui sont. Qui sont quand même beaucoup plus longs que la moyenne. Tu vois, c'est des vrais sons. Là, on est sur du 3 minutes, j'ai l'impression. En moyenne, c'est, vraiment des sons, mais c'est vraiment des sons d'R&B. C'est le R&B, les amis. R&B, c'est comme ça. Si j'écoute un peu plus tard que les sons du début. Ah, je vois ce que tu veux je dire. Je capte, bah c'est dans le même truc, vu que ça commence fort. Après, c'est ça. C'est sûr que ouais, il y a peut-être un monde où peut-être il y a des sons, on les aurait mis là-haut, des sons, on les aurait mis en bas, mais ça, ça joue aussi, tu vois. Et en vrai, ça peut demander de la digestion, je capte, parce qu'il y a plein d'affluence, il y a plein de trucs à pouvoir relever, etc. Là, c'est en première écoute et déjà, tellement tout ce qu'on entend. Franchement, là, on est dans un, là, on est dans un truc solide, regarde. Ouais. Ouais. On est dans un truc solide en vrai, de vrai. Ouais. Après, médecine, je suis dur quand même. Après, c'est toi. On peut pas te forcer. En fait, toi, c'est... t'as kiffé le refrain, mais ça, c'est les couplets qui t'ont pas. En fait, le son, je suis. Ah, je sais pas, je sais pas. En fait, les. Il y a un truc qui me. Il y a un truc qui me gêne encore. Non, moi j'aime trop. T'es fou. C'est ça en fait, j'ai l'impression. Je pense que médecine, en fait, je sais, médecine, concert. Je vais aller le voir et tout le monde va chanter. Hold it.
Hard day. Ouais, là tu vas être hard dedans. Day. Et là je vais être c'est dedans. Juste ma médecine. Non, c'est chaud. Je sais pas si non. Ouais, hypnotise. Je regarde des films en trois fois. T'es dur. Ah ouais, Loyal, il est dur. T'es dur. Il est dur. Allez hop, ouais, on va se mettre moi, un petit feat avec Chez et Crew, genre. Enfin, ce serait sale. Grave, en vrai, de toute façon, c'est. Ils font cette musique-là, en fait. Ah, le clip était vraiment daron. Et pour moi, c'est cette imagerie-là qui correspond vraiment à 100%, en vrai de vrai. Une imagerie un peu outcast. Des sons R&B qui ne parlent pas d'amour, genre. Bah ouais! En fait, dans tous les cas, ça va parler d'amour, mais tu vois, ça peut parler de, je te dirais, de relations amicales, voire conjugales, mais pas vraiment conjugales, de peine de cœur, de, tu vois, ça dépend comment c'est amené en vrai. Mais en vrai, pour moi, le R&B, quand même, le sujet principal, c'est love. Bah ouais, bah ouais, frère. Ça, c'est logique en vrai. Et en plus, ce clip, je l'ai trouvé malin, tu vois, parce que ça se voit que c'est, comment dire. Ils ont pris une baraque, mais tout est dans le stylisme, tout est dans les mouvements de caméra, dans le décalage en fait finalement de c'est chacun des personnages. C'est vraiment le côté décalé qui crée toute l'imagerie. C'est ça. Et puis même le stylisme, tu vois, il est avec un truc grave coloré, un truc qui pop, tu vois. Ça c'est liké. Ah bah ça oui. vous pouvez en être sûr. Ouais, Jim Marley, ah, j'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu encore, mais à chaque fois, il est dans les recos là, mais on l'a pas encore vu. Ça va aller le voir. Où la thématique est solidement accrochée à la sonorité. Et c'est réel. Ouais, mais ça me fait penser un peu même aussi. Je vais moins, mais un peu à ce que Odunsi et tout, il peut faire aussi, tu vois, genre dans le fond. C'est alté un peu. Truc un peu alternatif. De ouf. Bah, tu vois, c'est beaucoup plus léché qu'un simple, comme par exemple un Odunsi qui va être très. Moi, je te dirais. Alté, pop, façon. Ouais. Tu pourrais t'attendre à un truc basique, mais non, tu vois, dans le stylisme, c'est un peu décalé. C'est un peu pointu. Tu coupes le son, tu veux pas vraiment savoir c'est quel type de son. Exactement. Et c'est là où je trouve ça fort. Mais après, tu vois, là, on parle du R&B, mais c'est comme pour la trap. C'est comme moi, quand je vous casse la tête avec mes trucs ignorants, là, où le mec, il va parler juste d'argent, de bitches, de change, de trucs, de tout ça. Non. C'est la trap, les amis. C'est cette fast-food musique, tu vois. C'est ça, en fait, moi, que je veux voir dans les clips. C'est un Sony qui chante à la Sista, comme ça, là, en tragédie. Je vous ai dit, déjà. C'est cette sauce, en fait. Au pire. Sin City. Ouf. Le groove est sans. Sincères se font rares. J'ai déjà investi depuis. Everything je ferai tout pour toi. Ouais, c'est ça. Selon le thème, tu peux vraiment tout écouter. Je capte ce que tu veux dire. C'est ça, c'est les prods. Vraiment, là, pour moi, c'est la prod qui m'a convaincu sur le son. Bah, en vrai, les productions font un gros travail aussi. Hein. C'est normal, hein, je pense. Hein. Quand t'as un truc aussi bien produit. Sony Ref BKR. C'est clair. Ça match de fou. Sextra. C'est vraiment ça. C'est sexy rave, c'est plus Sony Rave, c'est sexy en fait, rave. Bah c'est sûr que ouais John, tu vois. Si t'es dans ton thème, même le dimanche, même avant, une fois que tu lances le projet, faut aller au bout. Faut aller au bout. 38 minutes, t'es en bien mon ref. Normalement no skip. Normalement c'est tout droit. Il peut t'accompagner toute la journée en plus, en vrai le projet. Aussi. Tu vois, mais surtout les sons et tout. T'accompagner pendant ce round 1, ce round 2. Ça, c'est toi qui dis ça. Peut-être que tu peux faire deux rounds en une seule session. You see what I'm saying? Je t'arrête à K-In-Loop. J'arrive à K-In-Loop. C'est le repère en fait. Pour la petite pause club. Il dure combien l'album? 38 minutes. Ah, mais c'est ça. Je trouve que là, on est dans un truc carré en vrai de vrai. Ouais, moi aussi j'ai entendu le dernier son et le dernier son il est vraiment très fort. Et tu vois justement, bah c'est bon quand tu parlais justement du fait que peut-être qu'avec sa voix, le fait de l'avoir entendu sur tous les titres, et ben du coup genre
au bout d'un moment, peut-être que tu vois, ça va te mettre une claque si tu l'écoutes plus tard. Mais moi, je trouve que comment le projet il est construit là, le fait qu'il y ait Kay au milieu du cutru, je trouve que c'est ça justement qui fait qu'on ressort un peu du cutru, tu vois. On ressort un peu de sa voix mielleuse, tu vois, tout le long. Surtout que t'as R&B plutôt freestyle qui arrive en 6, t'as Kay and Lou qui arrive en 8. Ouais. Et puis tu reprends avec Medicine qui est quand même un peu plus... Qui est un peu plus bouncy. Exactement. Plus bouncy. Ce son-là, il est incroyable. Par contre, j'ai écouté ça. C'est celui-là ? Ouais, ce son-là. Ça, c'est mon son. À peine rentré, je me sens oppressé. Je t'ai entendu. Oh, là, elle est sucrée, en fait. Tu vas voir comment on va amener le refrain, c'est trop. J'essaie d'y voir plus clair que dans mes pensées. Mon cœur en civière, je me dis vas-y, fonce, oh yeah. T'aimais chaque jour comme si c'était le véritable. Ok, c'est bon. T'as capté? C'est bon. Là, t'as ce truc de... Non, c'est trop. Puis même la prod, elle est fine. La prod, elle est fine. Ça devient spicy, électrique, tasteful. Oh, maman, si t'as, ne me juge pas, ne fais pas douter. En fait, le son, il est trop solide. Ouais. Quelques chansons j'expose, c'est on my mind, mes dilemmas, les mêmes problèmes. Sont-ils des faux problèmes? C'est bon que tu dis les vraies choses. Sonny come close, sonny tell chose. Une vie de chance qu'on va en parler du son accalmie. Ah là 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 là, je parle mon cœur là, c'est bon. Maman. Imposteur venait me coffrer. Y a-t-il un problème? J'ai aperçu ton vrai visage. Love. Non, franchement. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Hein. Bravo à Sony Rave. Bravo à Sony Rave. Bravo à la Endless Fantasy Team. Bravo à la Endless Fantasy Team. Bravo à Keno et Anto, vraiment, mais RP solide. Bravo frérot BKZ pour le boulot. Big BKZ, hein, t'as et bien là, bossé. Regarde, t'avais été bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carrément, tu vois, il y en a un en plus. Il y en a un en plus. C'est beau. 9 sur 13. 9 sur 13, c'est une très 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 bonne c'est note. C'est une très bonne note. Franchement, c'est une très bonne note. Wow. Et il mérite, et il mérite. Ouais. Parce que les prods, elles sont les sérieuses. Dans les structures des sons, comme je te disais avant, moi, c'est ça que j'attendais. Et là, j'ai retrouvé ça. Tu vois, je trouve que c'est pas des top lines qui vont... Je trouvais qu'avant, ça allait un peu à gauche, à droite, un peu dans tous les sens. Et là, je trouve que ça c'est va dans tous recentre. Les sens, mais c'est plus... on revient dans le tous les sens. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Plus on va à gauche, droite, gauche. Après, on va revenir à gauche, droite, gauche. Tu vois? Green prends de la graine. Tu vois, ah, John ouais, là, dur. C'est toi qui dis ça. John, tu vois? Là, c'est toi qui dis ça. Bref. Après, le 9-2, ils vont venir attraper mon code. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. B2O, t'as une mission, on est branché. T'as une mission, on est branché. 9-2, mon gars. 9-2, là, il y a des refs du 9-2, mon cher mec, du 9-3. Ça veut dire qu'on est en bleu. On est en bleu dans tous les cas. On peut pas se tirer dessus. Top 3. Moi, mon top 3. Moi, je l'ai, mon top 3. Moi, je l'ai déjà, mon top 3. Moi, il est tout droit. Moi, il est tout droit. Moi, il est tout droit, mon top 3. Moi, c'est Au cœur du mien, ouais. Kay, Véritable Love. Ah ouais, rien à voir. Ouais, je sais. Rien à voir. Bon, mon top 3, Au cœur du mien, Date Night, Muse. Ouais, je file, parce que Muse, il est vraiment trop hard, j'avoue. Obligé. Obligé. Mais moi, je peux pas ne pas mettre Kay dedans, puisque le son, je le trouve trop hard. Et Véritable Love, il est trop bien non, fait, Au cœur du mien. Frère, c'est un son de Kay. Frère, c'est... Enlève le son de Kay. Ok, en enlevant on le, enlève son... le son de Kay. En enlevant le son de Kay, je mets Muse, du coup. Vous, vous mettez Muse, Medicine, Kay. Ok. Toi, tu mets ? Moi, je mets au cœur du mien. Ouais. Muse, du ouais, coup, ouais. Et Véritable Love, si on enlève Kay. Ok, honnête, 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 honnête. Anto, il a dit 1, 7, donc Muse aussi est très... Ah bah, mon gars, Anto, mon gars. Mon ah, gars. T'es bon. Mon gars, tout pile. Damn, ok, ok. Non, mais franchement fort. Moi, j'attends beaucoup plus de clips à la Hypnotize. Franchement, c'est ouais. Ça qui, pour moi, compléterait le perso. Plus mais déjà de l'avoir eu en un échantillon comme ça, c'est de ouf. C'est fort. De ouf. C'est fort. De ouf. Donc non, bravo à la team. Franchement, bravo à la team.